Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à 5 plans à la Richie Kotzen sur la gamme pentatonique. En fait, ce que j'appelle les plans à la Richie Kotzen, c'est ce que... il y en a plein à le faire, hein. Il y a un peu Gambal, et maintenant tous les gars qui font un peu de hybrid picking, le font un peu, c'est ce genre de truc. Vous pourriez le faire en sweep picking comme ça. Moi je préfère le faire en hybrid picking. Donc en fait, nous allons aujourd'hui, je vous en ai écrit 5, en fait, des déclinaisons. C'est surtout pour en fait vous donner des idées pour vous faire les vôtres. Hein. En fait, là, c'est, si vous voulez, c'est comme une étude entre guillemets sur ce type de technique. En fait, le principe, je vous l'explique. Donc les exemples seront en si mineur sur la gamme pentatonique de si mineur sur tout le manche. Hein. Après, ce sera le principe est simple. Le premier exercice que j'ai écrit, le principe est simple. On fait. D'accord ? Vous pouvez faire un mini barré, lui fait un mini barré. Voilà. Donc là, c'est le principe, si vous voulez, c'est ça. Donc par exemple, l'exercice numéro 1... Donc voilà, pour le grand principe, donc on est sur la gamme pentatonique de si mineur. Tous les exemples seront en fait en si mineur, les gars, pour changer un petit peu de tonalité. Donc deuxième exercice, en fait, on va se décliner, on va changer de position. Donc là, on sera sur la première position. Et là, on va se passer sur la deuxième position conjointe. Sur ces deux, quatre notes-là, les quatre notes-là, et donc avec un glissé très rapide, qui sera une appoggiature. En croche et en double croche. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Donc voilà, hein, donc sur chaque position, première position de si mineur, je vous le rappelle. Deuxième position. Ok. Alors maintenant, on va le faire sur toutes les positions de si mineur sur tout le manche. Donc la première, elle sera ici, sur ces quatre premières notes que vous avez sur cette position-là. D'accord ? Après, sur les deux qu'on vient de voir, sur cette position. Après, ici, qu'on aura sur cette position. Après, ici, qu'on aura sur cette position. Après, sur celle-ci. Et après, sur celle-là. Donc, ça va nous donner... Ok, donc en fait, là comme ça, c'est le but du jeu, c'est de se déplacer partout, d'être le plus fluide possible. Je vous le fais en croche et après on se le fait en double. 1, 2, 3, 4. En double croche, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, hein, ça c'est à bosser, le tout c'est après de le placer dans vos solos, c'est... les exercices c'est bien. Les exercices que je vous donne en fait, on s'en fiche, c'est surtout que vous trouviez les vôtres, ça c'est super important, beaucoup plus que l'exercice en fait. Ce qui est vraiment important c'est que vous compreniez ce que l'exercice vous fait travailler pour après le mettre dans vos solos. D'ailleurs parce que après quand on travaille ce genre de truc, on peut très vite aller vite, hein, d'accord. Parce que c'est un plan, en fait, ça envoie, hein, ça dégage, c'est très flashy comme genre de plan. Mais après, il faut le replacer dans un solo sans que ça sonne cheveux sur la soupe, quoi. Hein, d'accord. Le suivant, en fait, on va rajouter les notes de la gamme, c'est-à-dire que ça peut être une idée. Par exemple, là, on était sur la gamme pentatonique, on peut utiliser les notes, toutes les notes de la gamme de si mineur, donc si, do, dièse, ré et mi, et ça nous donnerait... Hein. Je fais en croche au début, 1, 2, 3, 4.
donc après ça vous pouvez le faire en l'appliquant à toutes les... Hein ? Sur n'importe quoi. Hein. Ouh, c'est dur ça. En saut de corde. Hein. Peu importe, après il faut que vous soyez en fait votre propre prof, c'est là que ça devient intéressant quoi, c'est quand vous trouvez vos propres licks par rapport aux déclinaisons que vous faites de ce que vous apprenez quoi, enfin en tout cas moi je pense que c'est la manière la plus efficace. Et le dernier plan en fait je fais sur toute la position de la gamme hein, donc sur toute la position de la gamme pentatonique, et ça nous donne... Ça tombe juste en fait, j'ai trouvé un plan qui tombait juste, donc je vous le fais en fait. Il suffit de faire, d'accord, le même principe en trouvant un moyen pour en fait changer selon les cordes adjacentes. Après, ça, bon, là, j'ai pas fait exactement ça, mais en fait, le but après, c'est de se déplacer sur toutes les paires de cordes adjacentes avec le, en gardant ce flow, quoi. 1, 2, 3, 4. J'espère que en fait ces petits exercices vont vous donner des idées, parce que c'est là le principal, c'est que les exercices que je vous ai écrits, on s'en tape quoi en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez les développements des exercices et que vous les mettiez de suite à votre sauce, sinon on s'en fout, personne, le monde n'a pas besoin d'un deuxième Richie Kotzen, vous comprenez ce que ça veut dire? Tout le monde s'en fout que vous fassiez les plans à la Richie Kotzen, comme lui, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est que vous vous inspiriez en fait du plan de Richie Kotzen pour faire vos propres plans et pour développer, et que vous inspiriez d'autres personnes, dont moi par exemple, qui vont dire « Ah bah tiens, il a décliné comme ça le plan Richie Kotzen ». Et c'est ça qui est intéressant dans la musique. The world don't need another Richie Kotzen. Allez les gars, à demain, bientôt.